Salut tout le monde, c'est Mister Flo 491. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo détente, pour le moins exceptionnelle, puisqu'il s'agit de Call of Duty 3, un des tout premiers Call of Duty. Hein. À savoir, c'est pas mon préféré, hein, mais je le trouve bien quand même. Niveau amélioration, on a les armes qui sont un petit peu mieux. Même s'il est vrai que des fois, bof. Donc je remercie les quelques personnes qui me suivent. Donc quelques personnes parce que je suis nouveau sur YouTube. Enfin bon, je suis inscrit depuis maintenant un mois. Donc là, je suis là pour casser la figure des Allemands qui sont en Normandie, donc Call of Duty 3. Donc, attendez. Je vais juste rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, on se lance. Donc, connecté Mister Flo 491. Donc, on a le menu solo, multijoueur, les options, les bonus qui sont les crédits, les cinématiques, les personnages, les armes. Les véhicules. Donc pour l'instant on n'a rien, c'est bloqué. Pourquoi? Bah évidemment parce que on a des armes qui sont elles aussi bloquées évidemment. Donc on va se lancer sans plus tarder dans le menu solo en nouvelle partie. Donc je vais sélectionner le niveau de difficulté normal, même si très souvent au niveau normal j'en chie. Le 4 juin 1940. Donc voici la cinématique d'introduction. Les Allemands entrent dans Paris. Ils prennent le contrôle de la capitale en 10 jours. Dès le 13 juin 1940, les Parisiens ont évacué la ville. Et les Allemands imposent un couvre-feu aux habitants restés sur place. La ville lumière, plongée dans les ténèbres de la guerre, attend le débarquement allié qui libérera Paris du jour nazi. Mais les opérations héroïques du jour J ne serviront à rien si les alliés ne peuvent pas tenir des positions à l'intérieur des terres de Normandie. Et voilà, donc on va commencer la première mission à Saint-Lô, comme vous le voyez, donc qui est écrit sur la carte. Donc je ne me rappelle plus du tout de ce jeu, alors je le redécouvre en même temps que vous. Je ne me rappelle plus du tout des options, de toutes ces choses. Et je n'arrive plus à parler, ce qui est encore pire. Enfin bon, si on est là, c'est pour faire ce jeu. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu les premiers Call of Duty, voici la bataille la plus sanglante, Saint-Lô, France, le 19 juillet 1944. Donc, ça se passe un mois environ après le débarquement sur les plages normandes. Oh, ça c'était méchant. Tu toucherais même pas un éléphant dans un couloir. Qui ? Je crois que c'est moi en fait. Je crois que c'est moi, Nicole. Je ne me rappelle plus du tout, donc je préfère vous prévenir. Donc voilà, on commence le jeu. Donc on a une sauvegarde dès le début, c'est pas mal. Donc, si je crois. D'accord. Hop. R1 pour tirer. Nicole, tu toucheras jamais rien si tu n'utilises pas ton tireur. T'en as eu un, et alors, tu veux une promotion? Bah oui, je veux bien. Va dire que je suis pas contre. Oh là, c'était quoi ça? Quoi? T'as vu ça? Non. Elle m'énerve cette radio. Est-ce qu'on peut la détruire? Génial! Il y a même des fumigènes. Donc là, on peut pas recharger notre arme. On va voir si t'arrives. C'est quoi ça? R2, lancer une grenade. R2. Donc je crois, si j'ai bien compris. Ah ouais. T'es censé lancer la grenade, pas la goupille.
Ça, c'est pas mal, les petites remarques des soldats. Waouh! Allez, Nicole, montre un peu ce que tu sais faire avec une grenade fumigène. Une grenade fumigène? Donc, oui, donc apparemment, notre personnage s'appelle Nicole. J'ai visé les avions. Merde, Dixon, mon gars! Dixon, c'est qui? C'est Dixon. Ah, il est là-bas, c'est ça? Ouais. Ils ont leur compte. Les gars, tirer sur des casques, c'est mieux quand il y a des boches en dessous. Je veux bien, mais moi, mon objectif m'indique là. Attends. Ah, d'accord, donc on appuie sur Select pour voir nos objectifs. On doit grimper dans le camion. D'accord, donc. Alors, récupérer une Thompson dans la caisse de ravitaillement. Où est la caisse de ravitaillement? Si mes compris, elle est là, donc c'est lui, Dixon. Les gars! Tirer sur des casques, c'est mieux quand il y a des boches en dessous. Oh, pour récupérer des armes et des munitions dans la tente et grimper dans ce camion. Hey, je veux bien, faut que je fasse quoi maintenant? Nicole, prends une Thompson dans la caisse de la tente de ravitaillement. Wow. On va en avoir besoin là où on va. Tu peux ouvrir la caisse en cognant dessus avec ton fusil. L'intendant aime bien les trouver. Donc voilà, une Thompson qui est bien moins précise que celle de Call of Duty 2, vous en jugerez. Tout le monde dans le camion, en route. Ok, moi je garde ma Thompson. Moi. Donc vous verrez, je serai plus avec mon M140, même si là je prends la Thompson parce que c'est le début du jeu, donc je vais vous montrer sa capacité. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup visé, on n'a pas encore beaucoup tiré avec. Donc on arrive bon, dans un camion. Deux choses. Bon, vous ne me servez à rien. Attention. Ouah, c'est sympa ça. Hein. Vous êtes déjà. Plus c'est Huxley, le mitrailleur. Donc lui c'est Dixon, il est caporal apparemment, c'est un fusillé. Nous c'est des PVT plus bien. Le problème c'est que les frites sont passés avant nous et ils n'ont rien laissé. Moi je dis que ça mérite une expédition punitive. Ou alors, on pourrait arrêter tranquillement à la base, hein, et manger des croissants. Ah, on a même le nom des chars, quoi. On a même le nom des chars, même s'ils sont à plusieurs dizaines de mètres de nous. The Daisy Stomper. C'est quoi lui? Holy Roller. Le pays, les États-Unis. Ça? Ouais, il y a des Allemands ici. Je croyais qu'on contrôlait le secteur. Killjoy, le grand slam, pas mal, pas mal, les noms. Bel Air. Oh la vache, j'avais complètement oublié ça, on se fait attaquer par des mortiers ou je sais pas quoi, et nos soldats ils partent complètement en délire dans le camion, et le camion vient de se renverser, c'était méchant. Je crois que... Non, on n'est pas mort, évidemment. Ça aurait pas pu être possible qu'on soit mort dès le début du jeu. Ou alors, dès le début, on incarne un autre soldat. Ça aurait été pas mal, ce coup-ci. Oh putain, il est dans le coup. Ça doit faire mal. Il faut rejoindre le sergent. Il est où? Ah, il est là. Il est où? Oh là, il y a une mitraillette là-bas. Donc lui, il s'appelle Goodzo, si j'ai bien compris. Il est où, Huxley? Où est-ce qu'il est, Huxley? Il est pas là, il a disparu. C'est pas grave. Bon, bah, faut croire qu'on y va, hein. On se lance dans l'action dès le début, tête baissée. Ouah, dès le début, on se lance, on est carrément au cœur de l'action. Donc voilà, ça y est, on peut reprendre le jeu en main. Voilà. Donc. Oh non, la grenade. Voilà, aïe, je me fais déjà toucher alors que j'entame le jeu, c'est pas mal ça. Aïe, il y a des boches là-bas. Aïe.
On va avancer gentiment à travers les rangs ennemis. Oui, carrément quoi. Ils plaisantent pas hein, avec les avions. Donc, petite grenade et une grenade qui me gêne pour se camoufler. Donc on a beaucoup plus de grenades disponibles que dans les résistances. Là on a carrément 6 grenades chacune de possibles. Grenade pour donc là on arrive vers les ennemis, donc je vais prendre plutôt une Thompson. Oh lui je l'ai pas loupé. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons quoi hein. Et voilà, on a tué une bonne petite tripotée d'Allemands là. Ok, Corki, il a défoncé le Panzer, je crois que c'est. Je te dirai plus tard. Oh la vache! Bon bah écoutez, faut croire qu'on peut avancer quand même. Aïe, je sais pas pour vous les mecs, mais je me fais défoncer quoi. Ah d'accord. Bon bah nos soldats ils sont forts. Donc je vais vous montrer le MP40 qui a bien changé. Donc vous me verrez souvent le prendre aussi hein, parce que ou j'aurai plus de balles ou... Là il me reste plus que 3 chargeurs d'ailleurs. Voilà. Bon, bah on y va, écoutez. Hein. Et il faut faire quoi? Donc, entrez dans ce salon-là, prenez l'église, continuez l'assaut. Donc là, faut que je nettoie le bâtiment. Ok. Donc on passe... Oh putain! Oh là, je me rappelais plus du tout de ça. Donc, voilà. Là, on va... J'espère que je vais pas mourir. Allez. Tiens, mange-toi ça. Aïe. Donc là, on reprend. Donc vous voyez l'icône de la manette. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec la manette sans fil. Bon, alors lui, il s'est pris un coup de crosse. C'était vilain. Donc ça, c'est une arme allemande, un Kar 98K. Je vais vous montrer comment il est. Donc en gros, il est pas comme le M1 qui fait... Voilà. Donc on est à 13 minutes, là je crois, si je remarque bien. Si... Ben... Il y a un mur invisible. Ah non, c'est bon. Ah... Donc là on prend nos jumelles et on doit repérer toutes les MG42 là. Lui c'est le suivant. Oh la vache. Il y en a une autre quelque part. Ah, on dirait que ça tire par là. Ouais. Oh mais c'est qu'il y a du pipoy ici. Ah ouais, hein, c'est pas évident de tirer comme ça. Non, ça c'est exilé. Donc là, je crois qu'il va falloir bousiller celle-là aussi. Ah, je crois que je l'ai eu. Ah non. Ah, vous avez eu? Ah, j'ai tiré en même temps que le char, ça faisait un effet. Oh là là! Oh là! Non, j'aime pas ça.
Dégage. Va-t'en. Sale Panzer. Je crois que c'est ça en fait. Je suis même pas sûr. Ah, il est dans... Oui, c'est un Panzer, ouais. Laisse-nous tranquille. Ah bah... Je les tire. Ils sont dans le fond. Five Days Express. Oh bah alors il n'a pas eu de chance. Oh là. Il y aurait des tirs de mortier. Ouais, c'est bien ça. Oncle Sam. Pas mal. Il y a vraiment des noms qui sont vraiment pas mal. Faire quoi là? Ah, comment ça cramait notre char? Oh là 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 là. Mais il y a vraiment, ça va vraiment de script en script, hein, ce jeu. Je ne comprends rien. J'ai eu un bug. Ah, par contre, j'ai plus de balles. Enfin bon, c'est pas grave. On va y aller. Ah, encore une... un petit truc comme ça. Décidément, il y en aura beaucoup au début du jeu. Hein. Des trucs comme ça. L'autre il nous dit taisez-vous, mais il crie comme un putois. En tout cas, moi je décroche. Oh là. Bon, lâchez cette arme. On va tous se calmer, ok? Il y a Huxley qui se barre. Vous êtes pas dingue au point de me tuer. La désertion coûte cher, Bouchon. Vous tuer ne serait pas un acte de folie. Bien au contraire. Bien au contraire. Franck, allez. Hé les gars, il y a un tunnel par ici. Ah ben on peut se barrer, il y a même des bouteilles. Il y a une issue. Bon, on décroche. Allez. On reparlera plus tard. D'accord, je te suis Dixon, je crois que c'est. Moi, je crois que c'est ça en plus. Aïe, Dieu miche. On va dormir. Voilà, mais non, mais laissez-moi gérer. Oh. One shot. One shot. Voilà. Paul. Dégage, sale allemand. Voilà, aïe. Oh non. Je vais pas vous proposer un pitoyable gameplay où je me fais tuer, mais... On va jouer au sniper. Ah ouais, hein. Vous la prenez comme ça, hein. Bah tenez, tiens. One shot for... Oh putain. Non. Alors les grenades ont pas le même effet que dans les Call of Duty, que dans Call of Duty 2 ou que dans les résistances. Par exemple dans Call of Duty 2, une grenade s'il y a une grenade ici, eh ben je meurs. Alors que vous avez bien remarqué que dans... En fait je crois qu'ils me l'ont renvoyé ce salaud. Voilà, désolé mec. Protéger patrie. Ils le disent encore. C'est bien remarqué. Voilà. J'ai bien l'habitude de lancer des grenades. Dans ce jeu, c'est... Voilà. Et... Un seul coup et... Voilà. Par contre, j'ai plus de munitions de rien du tout, moi. Donc, voilà, je crois qu'on a terminé. À mes souvenirs, on n'avait pas fini.
Ah oui, on n'a pas fini là. Ouais, contre-attaque. Une gueule dessus, contre-attaque. Donc moi, ah non, j'avais pas prévu de prendre les jumelles. Quoi. Hop. Voilà. Petite balle. Alors, à mes souvenirs, il y avait des Allemands qui venaient par derrière. Ah. Là, il y a une arme intéressante. Non. Ma tête, mais... Oh non, il y a des ennemis qui arrivent. Je vais me mettre là. Ah ouais, ça arrive, ça arrive. Donne-moi ça, toi. Bon bah écoutez, pour l'instant je tiens le coup. Ah, ça y est, ça arrive gentiment. Voilà. Ah, ils battent en retraite. Et voilà, donc là on a pris Saint-Lô, ça y est, c'est bon, sauvegarde du profil et tout ça. Donc là on a terminé la première mission. Si vous voulez d'autres vidéos détente sur ce jeu, bah, je pourrais éventuellement vous faire le deuxième et le troisième niveau. Donc la petite cinématique qui s'ensuit. Aussi décisive que le débarquement en Normandie, la libération de Saint-Lô ouvre la voie vers Paris. L'armée américaine pousse jusqu'au sud-ouest, tandis que les Britanniques, les Canadiens et les Polonais avancent depuis le nord-est. Le territoire contrôlé par les Allemands entre les deux est rapidement baptisé Poche de Falaise. Donc le jeu se termine à Chambois. Les combats pour la réduction de cette poche comptent parmi les plus âpres et les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Ce type me colle son flingue dans la gueule. Vous croyez pas que ça suffit pour demander un transfert? Il devrait peut-être écrire à son député. C'est vraiment très drôle. En vite, on part pour Saint-Germain. La 90e manque d'effectifs, on va être incorporé dans leur rang. Votre demande de transfert à un outil, Guido. Oh, ça, c'était bâtard. Votre demande de transfert a abouti, Guzzo. Donc, on a terminé le premier niveau. Je vous ferai peut-être... Je vous ferai une vidéo détente sur chaque campagne. Donc, il y a la campagne américaine, la campagne britannique, la campagne canadienne et la campagne polonaise, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est la deuxième mission. Le 26 juillet, cette fois. Donc une semaine après. Donc, je vais m'arrêter là. Parce qu'il me reste du temps, puis je vais prendre le temps qu'il me reste pour faire autre chose. Donc, j'ai terminé cette mission avec succès. Je vous dis à plus et portez-vous bien les amis. Salut !